Amen. Veuillez vous asseoir. Avant de passer à la prière, nous allons justement écouter une exhortation tout à l'heure. Et nous allons passer à la prière. Amen. Nous annonçons notre... Cette semaine, je suis en train de régler tout. Je ne vais pas partir à Abidjan. Il fallait être ici, prier et tout ça avec vous. Vous aurez l'occasion de régler beaucoup de choses en fin de semaine. Parce que moi, le lundi, la nuit du lundi, je voyage. Nous allons au Maroc. Pour notre retraite spirituelle, c'est confirmé. À la grâce de Dieu, le thème, tu ne seras plus l'esclave spirituel. Amen. Les sorciers. Amen. Voilà, c'est pour délivrer et aider nos frères de la diaspora. Et je rendrai cette fois-ci en grand nombre. Faites cette retraite droit à ce monde par la grâce de Dieu. Nous aurons l'occasion d'aider beaucoup de personnes et tout ça. Amen. Parce que c'est important pour nous de préparer le retour de nos bien-aimés. Il n'y a plus rien d'Europe, s'il vous plaît. Plus rien. Ceux qui sont là-bas le savent. Il n'y a plus rien d'Europe. Le taux de chômage chaque jour, c'est élevé. Amen. L'Afrique a besoin, et nos frères ont besoin d'un regard et tout au niveau de l'Afrique. Malheureusement, ils ont peur d'une présence qu'on appelle la sorcellerie. C'est pas faux. Il faut être vraiment assis, protégé par Dieu, pour affronter ces personnes. C'est pas de l'amusement, la sorcellerie. Amen. Et donc, au cours de cette retraite, on aura l'occasion, n'est-ce pas, de prier pour vous et de vous apporter, n'est-ce pas, une délivrance, vous aider. Et à cette retraite, on aura l'occasion déjà d'organiser les amis du ministère là-bas. On aura beaucoup de choses d'ailleurs. Demain matin, moi avec Amel, parce qu'avant que j'arrive au bureau ici, écoutez pour les gens, on aura quand même fait un travail de fond avec le service de communication. Nous avons les noms des personnes qui seront au Maroc. On aura l'occasion de vous appeler, encore vous exhorter sur beaucoup de choses, de prier pour vous. Les hébergements, c'est déjà confirmé. La première équipe ira dimanche par la grâce de Dieu, et que le nom de Dieu soit glorifié. On dit Amen. 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 Alléluia. Nous prenons nos Bibles, la parole de Dieu. Ici, on ne parle que de ça. Amen. La sorcellerie, tout ça. Alléluia. Amen. La sorcellerie, j'ai l'habitude de dire, comme de la répétition pédagogique, la sorcellerie, vous voyez aujourd'hui là, c'est ce qui mène vrai au développement. Amen. Amen. C'est ce qui fait que l'Afrique ne se développe pas. C'est ce qui fait que l'Afrique n'avance pas. La sorcellerie, il n'y a pas de positif. Quand quelqu'un dit il est sorcier, mais pour lui c'est bon, dites vous montez. Amen. Amen. Comme on dit, il y a bon diable. Diable, c'est diable. Diable, c'est diable. Or, quand la définition nous démontre que la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Parce que la sorcellerie veut dire quelqu'un qui lance un sort. Donc, il n'y a pas de bonne sorcellerie. Ça n'existe. Amen. C'est un démon. C'est un esprit qui vient à cette personne. Et quand ce démon est là, on a envie de détruire. On a envie de détruire. On est poussé par ça. Alléluia. Amen. Cette grande volonté de détruire, on a envie de détruire. Parce que c'est un démon. On peut te donner la sorcellerie quand on prend gré. Tu veux pas. Ils sont vétérinaires. C'est pour ça qu'ils soient dans le Seigneur. Si vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous n'êtes pas protégé. Même vos enfants ne sont pas protégés. Amen. Amen. Peu importe les lieux. Tu es à Paris, on veut t'initier, on va t'initier la sorcellerie. Tu es à Londres. Si le sorcier veut vous initier, il va vous initier. On apprend les gens qui disent, ah non, le pasteur, il faut aller en Côte d'Ivoire, venir en Côte d'Ivoire, parler, les sorciers m'attendent là-bas. Mais ton pasteur ne connaît pas sorcier, ment. Un sorcier t'attend ici. Ils ont fini ça. Ils peuvent te trouver là-bas, te manger dans ta chambre. Ah oui. Alléluia. Amen. Bientôt mon livre sort. Mon livre sort bientôt dans le nord, le mois de novembre, le tome 1. Vous aurez l'occasion de voir beaucoup de choses, vous donner beaucoup de choses. Comme enseignement, des techniques. Il y aura le tome 1, tome 2, ainsi de suite. On va vous ouvrir les yeux sur la pratique de la sorcellerie. Amen. C'est un pouvoir qu'on reçoit de la part de Satan. Et quand on a ce pouvoir-là, on peut voir directement dans le monde spirituel.
Parce qu'il y a deux mondes, hein. Il y a ce qu'on appelle le monde visible. Moi, il y a où on se voit. Et puis il y a un autre monde qu'on ne peut pas voir, l'ONU. Or, eux opèrent dans ce monde-là. Or, c'est ce monde-là qui commande le monde visible. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est pour ça que l'Église a les deux pouvoirs. Le pouvoir spirituel et le pouvoir physique. C'est ça que Jésus a parlé à la tempête s'est arrêtée. C'est ça que le chrétien ne doit pas avoir peur. Peu importe les menaces. Si vous sentez qu'on vous menace, amen. Il y a Jésus-Christ qui est en vous. N'ayez pas peur des menaces. Amen. Parce que le diable, pour pouvoir vous attaquer, il va détruire votre foi par la peur. Or, là où il y a la peur, c'est fini. Amen. N'ayez pas peur. Or, quand ces personnes, dans ces démons-là, étant dans la famille, vont commencer à détecter ceux qui doivent réussir dans la famille. Suzanne va se marier. Quand elle va se marier à un blanc. Et puis, elle aura une bonne vie. Et puis, son mari, il a l'argent. Ok. Il faut qu'on détruise ça. Vous voyez comme c'est méchant. Ils peuvent détecter votre devenir. C'est pour cela que les gens qui parlent, non, c'est comme ça. Il y a des gens qui peuvent compter toute votre vie et qui ne peuvent pas vous aider. Quand vous arrivez à ce stade, même d'un pasteur qui fait ça, c'est que c'est un pouvoir satanique. Il ne suffit pas de dire à une personne, c'est comme ça. Il faut les faire sortir des difficultés. C'est pour ça que quand vous voyez un pasteur qui dit « Ah, les sorciers veulent te manger, il ne faut pas partir. » Ou bien non, c'est que lui-même là, c'est un agent du diable. Ce qu'il produit dans ton cœur, c'est la peur des sorciers. Or ici, on te dit « Sorcier et rien. » Ou bien vous les sorciers, vous avez quelque chose. Un petit, il a entendu piège, je vais me manger. Il est où? Mais tendez les pièges. Mais vous, viens au quartier général. On n'a pas fini avec toi. Un petit sorcier. Tu as fini avec ce sorcier, hein? Tu prends ton avion et tu lui as fait l'amour à Paris. Ouais. Vous êtes là, non? Le tonton a eu mon numéro. Qui a eu mon numéro? Tu changes de puce. Ok. Il a fini ça. Au moment où tu vas à l'agence, là, lui a déjà ton numéro. Vous cachez là et il y a peur. Tu as peur, hein? Donc ta vie à Dieu. Le petit avis fait l'amour, il prend son avion. Ça va. Il embrasse bien, puis il revient. C'est ça alors? Hein? Tu regardes. La femme de Kiki qui va avoir, il peut avoir ça toujours. Il ne va pas foutre. Vous savez là, elle a un mètre et demi. Viens. Adjoa, où est-ce à fouet? Comment t'appelles? Non, ton nom de Kenny Mardi, un nom de Mardi. Tu n'es rien lundi. Kenny Kayou. Il sort ma marque. Tu as Kiki, non? Aïe, elle est femme. Puis elle soit Kiki. Il fait voir ça. Ton bavard, tu fais mal. La petite a visité la nuit. Ton mari, elle est rompue. La petite a été gérée. Quand elle finit, elle fait gougni. Elle chie tout toi. Quand elle est sorcière, on appelle ça gougni. Elle chie sur toi. Ma tête, il va au travail, ton patron dit, monsieur, m'énerve trop. Ça, c'est vous voyez là, c'est pas vos camarades. Hein? Ils sont méchants. Tu as Kiki. Il fait comment ça vient? Va
Madame. Hein? Je tape mon pied. Comment tu fais? Et puis ça vient. Ça sort. Comment ça fait pour sortir? Ah, c'est comme ça. C'est comme ça, non? Long comme ça. Oh, Adjoa, il te demande, c'est comme ça. Hey, on dit Kiki les sorciers, c'est pas pour s'amuser, toi? C'est pour te tuer. Mais oui. Ah, tu vois, si elle apprend quelque chose pour te caresser, c'est pour te tuer. Comment ça est? Ah ouais. Ouais, là, c'est un mètre et demi. Comment tu fais pour faire l'amour? Pour sortir les femmes? À toi. Tu fais ça comment? Je te demande. Tu es femme, non? Pourquoi que le garçon la vient? Vous dormez, vous dites, il est il marie de nuit. C'est sorcier qui est venu, il fait l'amour avec toi. C'est comme ça. Ils n'ont pas le temps de venir, madame, puis toi, il dit, mère, quand il te drague. Non, lui, la nuit, il vient dans ta chambre. Quand il finit, il y a un monsieur à Fresco là-bas. Tu le regardes. Non, lui-même, il ressemble à sorcier le visage. Mais il a touché toutes les femmes. Belle, tant. Lui, il ne drague pas. Il ne veut pas se marier. Parce que la nuit, il sait ce qu'il fait la nuit. Alors toi, tu vas dire, mademoiselle, s'il te plaît, bon. Il n'a pas ce temps. Puis tu as dit, non, tu es vilain. La nuit, lui-même vient dans ta chambre. Ce qu'il a envie de faire, il fait. Il a expliqué ça à une femme. Elle ne croyait pas. Il a dit, tu vois, la femme est bien belle, bien bâtie, claire. Il t'a expliqué comment la femme se retrouvait dans le lit, sans son dessous, à côté. Il n'y a personne dans la chambre. Et puis, elle a eu l'impression qu'ils ont fait l'amour avec elle. Elle pensait que quelqu'un l'avait violée. Elle fait, la porte est fermée. Donc, elle n'a pas compris. Lui, t'es rentré dans les détails, elle a commencé à pleurer. Pas un sorcier, c'est un amusement. Il dit, j'ai oublié même de porter ton caleçon. J'ai oublié, sinon quand il est fini, il te porte calé, mais j'ai oublié cette fois-ci. Il a laissé ça sur ton lit. Quand la dame le regarde comme ça, elle commence à pleurer. Mais c'est pas même gamme, c'est-à-dire, c'est ressemble pas. Elle me dit, il peut mettre 10 jours sans se laver. Il a gratté sur lui. Dans ton André, elle fait ça. Elle est dans l'aide dans ton être. Tu as comment comme ça? Le roi crash. Ah, c'est toi qui as fait ça. Il dit, il y a longtemps, il fait ça avec toi. Tu es ma femme? Hein? Il faut que seul Jésus peut nous protéger. Amen. Amen. Seul Dieu peut nous protéger contre la sorcière. Ils sont très méchants. Les sorciers, vous voyez, sont méchants. L'esprit qui est en eux, c'est la méchanceté. Ils ne sont pas venus, ils ne s'amusent pas. Et là, on n'aurait pas donné l'esprit là pour s'amuser, pour gâter. Vous avez quelqu'un pour dire, non, ma maman n'est pas sorcière. Qu'est-ce que tu as dit? Il sait quoi, Valérie? Non, elle n'a pas comment manger. Ok, elle entend de préparer festin. Le lieu de prendre. C'est sauce copain. On appelle ça Golo Saka. On n'a pas le temps de marcher le riz là. Ça va vite, ça va. Ou bien sauce tikliti. Sauce tikliti. Elle te mange ça bien. Tu couches avec les femmes. Toi, tu es gars, tu es femme, tu couches avec tes camarades femmes. À toi.
C'est à toi que je parle. Tu as vu que le petit là, il a fini son sorcellerie, non? Tu es là, tu n'avais été sorcier. Lui, il a fini son sorcellerie, mais c'est pour lui là, tu dois couper au boisson. Quand tu es là, la maison, comment ça va me marrer? Il n'a pas été bien violé les femmes la nuit. Tu as combien ton camarade? Il dit, c'est dangereux, hein? Une envoûtée, l'envoûtée. Elle a pas dit l'envoûtée, les gens. Il me dit, attends, moi j'ai fini ça. Il vient, il tend piège devant la foule ici. À 5 heures, il m'apprêtait, j'ai vu le piège, je sais qu'ils allaient me prendre. Et puis, il a géré le dossier. Je suis venu vers 10 heures, j'ai appelé le petit. Ça fait quoi? Hein? Quand il a fini, pour ne pas qu'il attrape. Il est venu entrer dans le corps de sa fille. Or, il a l'habitude de faire ça aux gens. C'est ce que vous faites au village, il est dans les 5 heures après un quoi. Yahoo, c'est toi. Oh, c'est pas moi, Jésus. C'est pas moi. J'ai oublié de dire oui, pour que les 5 heures, je me l'ai déjà blessé. Oh, c'est pas lui. Oh, c'est pas lui. Mais pourquoi vous ne laissez pas le cadavre là seul, il a assis, puis mal. C'est toi qui m'as tué, c'est toi qui m'as tué, c'est toi qui m'as tué. Mettez vos comédies. Mettez un cadavre là. Parlez, il va marcher dans le village à chercher. Ah, tu sais chercher des gens. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Réveille-toi, mettez la bouche. Vous voyez, c'est des comédies. Vous savez que les sorciers puissent rentrer dedans. Oh, madame, tu as vu, non? Il y a sorcellerie, puis il y a sorcellerie. Les camarades dorment tranquille, toi t'as kiki. C'est ça des sorciers là, ou même là. Tu les connais comment vous allez chercher. Les gens ils cherchent à avoir l'argent pour construire mieux. Vous c'est les kiki. Kiki de 1 mètre et demi. Qui vous intéresse là-bas? Adjoa. J'ai vu l'autre petit. J'ai vu ce qu'il t'a fait. J'ai vu tes sorciers. Il a croisé le camarade. Sorcier. Il est venu en toi. Il avait tes mains en toi. Il est caché. Il a dit toi. File ta main de fer. Laisse le fil. C'est ça. Le don de discernement. Le pasteur, il ne va pas clair. Sorcier, le tue. Ça s'impose à nous. Maintenant, là, toutes les maisons des sociétés ont une caméra de surveillance. N'est-ce pas? Et on sait maintenant. Avant, ça n'existait pas, maintenant, ça existe. Ah, parce que tu ne vois pas clair, il va faire comment? Pas dans l'église, là, ce n'est pas tout le monde qui est propre. Il y a les sorciers dedans. Il y a les gens qui se communient là, c'est dans les fesses, c'est dans l'ouest, là. Bénissons le Seigneur, notre Dieu. C'est dans les fesses, tenter de mettre. Amen. Fesse de sorcier. Amen. Tu vois mes fêtes derrière son visage. Excusez-moi. Où j'ai un sorcier? C'est des mauvais. Cette communion là, ils aiment bien narguer. Dans la présence de Dieu, ils veulent montrer un pouvoir. Tu as fait ça ici. On prend communion. Quoi? C'est cancer dans la niche. Lui a voulu jouer ça. Il vient à l'église, il veut jouer. Comme bon, les bons, vous connaissez les bons là. Bon, c'est amusement. Tu as envie de. Tu vois ça comme jeu. Et c'est comme ça qu'il voit à l'église. Or, quand ils sont inquiétés quelque part, là, ça détruit le pouvoir. Ça va? Tu viens te délivrer. De quoi? Elle a dit, tu as fini de parler, non? T'as fini? T'as dit quoi et quoi? Quoi? Ça, on sait. Du coup, on sait pas. On dit. T'as dit quoi? Hein? Où est Jaurès?
Joël est où? Hein? Elle ne sait pas parler en français, c'est ça? Viens l'aider. Dans sa sœur, vous voyez, voilà, j'ai touché ce côté-là. Vous voyez, du coup, la vie des gens change. C'est ça que dans un premier temps, ne blâmez pas les gens. Amen. Amen. Elle dit, elle a donné un esprit de prostitution à sa sœur. Comment ça arrange avec ça? Papa, c'est il est ramené. Non, il disait ça. Comme tu sais faire ça, le petit, t'as prouvé que toi t'es rien. Et puis tu as mis quoi dedans? Puis c'est une prostitution. Elle dit qu'elle a changé son esprit, elle a mis l'esprit des vagabondages, des promenades. De chercher garçon. Voilà, de chercher garçon. Là, c'est comme ça, elle ne s'est pas dit non. C'est comme quand on a dit qu'elle a mis un nom. Maman, tu habites où? Tu es. Elle dit, mais chez toi, c'est où? Allons dormir. Tu es belle, hein? Monsieur, vous habitez où? Allons dormir. Vous allez partir, je suis déjà prêt. Alors, allons dormir. Comment t'es tombé? Où est les gens? Du coup, ils ont une vie bizarre. Ils sont klepto. Envie de voler. Envie de voler. Donc, rien n'est bizarre que c'est pas eux. Il y a quelque chose qui les conduit, qui les commence fort. C'est-à-dire qu'ils ont changé ta vie. On t'a imposé un esprit. Dans un premier temps, ne blâmez pas les gens. Asseyez-vous et puis gérez la situation. Comprenez? Et puis amenez les gens à la délivrance. Non, toi, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Conseil ne peut pas rentrer dans l'oreille de quelqu'un qui a envoûté. Vous savez quoi? Hein? Quelqu'un m'a dit, sorcier envoyé, esprit de prostitution. Tu as dit quoi? Ça a changé la personne. Seule la prière peut délivrer la personne. C'est un esprit. Pas tes conseils qui peuvent délivrer la personne. C'est un démon. Jésus dit à mon nom. Vous chasserez les démons. Quelqu'un l'a mis là, c'est un esprit qui vient. Et on a vu, on a la dépravation sexuelle, on a envie de faire l'amour. Je connais une fille, elle dit que tant qu'elle n'a pas vu l'amour avec 6 personnes, elle ne doit pas. Tu peux aimer un chèche. Venez au. S'il vous plaît. Monsieur, aujourd'hui, là, venez. Amen, on dit sans goûtement. Venez au. Où est-ce qu'elle cherche un camarade femme? Moi j'entends beaucoup de choses. Mon oreille. C'est comme poubelle. Trop de choses en dedans. Amen. J'ai délivré une fille au Cap Vert. Cap Vert. À Praia précisément, dans la ville de la capitale capverdienne. Et une jeune fille, quand tu la vois. Non, reste tranquille. Amen. Amen. Quand tu la vois, reste tranquille, très belle, mais elle est très dangereuse. Elle, là, ce n'est pas tous. J'explique, ça dit, elle ne se couche pas sur un homme. Elle dit, si un homme, il faut deux ou trois hommes qui coucheront l'amour avec elle. Oui. Il y a dimension de prostitution, de trucs, hein. Or, elle. Quand devait avoir ses premiers rapports, c'est la plage. Or, Praia veut dire plage en portugais. Praia, plage. Moi, j'ai fait un peu de capteur. Donc, c'est là-bas, il a eu les premiers rapports sexuels, et puis le démon entre dans sa vie. Or, cette fille-là, vraiment, elle, c'est ça. Elle est obsédée sexuelle. Le sexe, pas possible. On a commencé sa délivrance. On a commencé. La première réaction, elle a déchiré ses vêtements. Et ça commence à se mettre nu. Et puis les démons commencent à se manifester. Excusez-moi, elle a commencé à mettre son doigt sur dans son sexe. Et puis on l'a envoyé quelque part dans le bureau. On a commencé à prier pour elle.
Bien sûr, il y avait les femmes, bien sûr. On faisait tout. Et puis d'un coup, elle a poussé, comme si elle avait envie de faire un enfant. Ah! On avait du sang. Il y a un alvin qui est sorti de elle. Un petit poisson. Et c'est comme ça la fille a été délivrée. Aujourd'hui, là, elle est délivrée. Elle a marié aujourd'hui un homme de Dieu. Ils sont tous, ils sont missionnaires en Afrique du Sud. Il n'arrive pas à te satisfaire. C'est ça. C'est un esprit. C'est un démon qui fait ça. Tu es là maintenant, ton mari, là, le gars là-même. Là. Faut que tu prennes le voisin. Là, quand il n'est pas là, bon, il y a quelqu'un qui l'a vous gérer. Oh, la chose qui fait mal, c'est ça. Garçon n'aime pas ça. Pourtant, ils font ça souvent. Ah, chez toi, la maison. Je connais une intérie là. Eux, ils verraient où est ma chaîne. Vous les connaissez, non? Si tu as joué sa femme, il va venir jouer les sandokan. Matin, ta tête est quelquefois là-bas pour elle. Aucune femme n'est pas délivrée de ça. C'est difficile. J'ai envie de te marier. Mais comme on a mis l'esprit de la prostitution dans ta vie, même dans le foyer, tu es fidèle. Arrive un moment, ton mari ne dit plus rien. Amen. Tu as envie de changer. Tu as envie de changer. Et Dieu nous aide. Amen. Oui, allons-y avec toi. Elle vend la viande. Donc, quand elle vend la viande, elle est chie, par exemple. Elle chie dans la viande. Elle chie dans la viande. Maintenant, elle sèche. La table sur laquelle elle sèche, là, elle chie aussi sur la table aussi. C'est pourquoi? Pour ne pas que ça marche. Et quand c'est comme ça, les gens ne payent pas. On n'est pas baisé. Je comprends pourquoi avant les gens pratiquaient la chasse aux sorcières. On les brûlait. Tu as beau parler des terres. Nous, là, il faut qu'on te brûle. Parce qu'avec ce que tu fais là, c'est pas normal. Vous voyez, non? Oh, il y a le WC. Et ce qu'on appelle, après ça, Gounini. Gounini. Arrêtez. Et puis, une fois que tu sors, on lit dans le sang. Donc, il est vrai, le conseil, il va partir le bien. Et quand il est sur la route, elle dit que sa tante aussi a fait 3 enfants. Et ils ont pris le ventre de sa tante pour transformer en tabouret dans le monde de la sorcellerie. Donc elle n'a plus fait d'enfants. Ouais. Ils ont bloqué sa fécondité. Elle dit que dans leur campement, elle a programmé 5 personnes en accident. Les 5 personnes en moto. Actuellement, est-ce qu'ils ont fait l'accident? Ils n'ont pas encore fait l'accident. Donc, ouais, c'est ce qu'ils disent aux gens. Tout ce qui nous arrive, c'est une question de programmation. Amen. C'est cela que le hasard n'existe pas. Amen. Quand un accident doit arriver, c'est que ça a été déjà programmé. Or, nous avons le pouvoir de la déprogrammation. Qu'est-ce qu'il enseigne aux gens? Quand vous réveillez à partir de 3h30 du matin, toute la programmation que j'en fais sur vous la nuit, déprogrammez ça. Vous allez voir que tout est annulé. C'est pour ça qu'on arrive à voir les sorciers. Ne sautez pas de vos chars sans avoir déprogrammé ce qu'ils ont fait. Parce qu'eux, ils travaillent la nuit. Les sorciers, vous voyez, ils travaillent la nuit. Et c'est dans la nuit qu'ils sèment la mauvaise chose, la nuit, qu'on appelle la programmation.
Donc quand quelqu'un s'est pris à partir de 3h30, oh, le roi c'est à partir de 4h. Quand tu commences à prier à partir de 3h30, tout ce qu'ils ont fait, la rentre à l'eau. Quand tu dis j'annule l'incident qu'ils ont programmé contre moi, ils sont allés dans leur confrérie, ils ont fait une réunion. J'annule tout ce qu'ils ont décidé contre moi, dans le nom de Jésus. Tout entre à l'eau. Parce que la Bible déclare que tout ce que tu délieras sera délié. Amen. Amen. C'est ça la force que Christ nous a donnée. Il nous a donné le pouvoir. C'est tout. Mais quand vous donnez le pouvoir, ce n'est pas Christ qui viendra vous délivrer. Amen. Oh, il y a des heures stratégiques. Il y a des choses qu'on ne vous enseigne pas dans certaines églises. Oh, les gens disent de prier. Mais on ne prie pas comme ça. C'est ça. On veut prier. Mais ce n'est pas comme ça. C'est les musulmans qui ils ont un peu un système de prière arrangé. À telle heure, ils ont prié. Telle heure, ils prient. Telle heure. Oh, il y a des heures stratégiques. Le matin, déjà à partir de 3h30, tous ceux qui veulent vivre une bonne journée commencent à prier à partir de 3h30. À partir de 4h. Si tu commences à prier 5h, tout ce que tu fais, c'est à l'eau. Parce qu'à partir de 4h, il y a un ange qui vient. Prends les prières pour partir. Oui, parce que c'est à partir de 4h que l'ange a béni Jacob. Il dit, laisse-moi aller parce que le roi arrive. Amen. Le roi, c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. Et tout j'enseigne ça aux gens. Ne jouez pas ça. C'est ce qui fait ma force. Amen. Quand il prie, il n'y a pas un jour, il ne programme pas les choses. Il programme. Mais nous, nous venons de programmer ce qui est programmé. Alléluia. Amen. 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 C'est vous qui donnez raison à cela. Quand un programme, c'est ça, ne négligez pas la prière. Celui qui néglige la prière, néglige sa propre vie. Alléluia. Amen. Or, tout sorcier sait qu'à partir de 4 heures, il doit entrer dans son corps. S'il est resté là après 4 heures, c'est à partir de 4 heures que sous les portes de la journée. Vous allez commencer, mais le diable ne permettra pas que vous ayez cette vie de prière. Oh, c'est dangereux. 3h30, levez-vous. Levez-vous, commencez à prier. Vous commencez déjà à remercier le Seigneur et puis commencez à déprogrammer ce qu'ils ont programmé. Dans chaque famille, il y a un sorcier. Quand tu veux le pas, il y a sorcier. Il y a des gens qui te guettent. Quand ils vont dans leur conflit, ils font une réunion par rapport à toi. Ils savent que tu dois voyager. Ils savent que tu dois faire telle chose. Donc ils vont programmer accident. Ils vont programmer divorce. Ils vont programmer des choses. Ils te disent à telle date, ils doivent. Or, quand tu te lèves à partir de 3h30, comme ils ont décidé des choses, toi tu viens, tu déprogrammes. Ça rentre à l'eau. Vous m'avez compris? C'est l'âme du chrétien, c'est la prière. Or, si tu ne pries pas, ça rentre en exécution. On dit amen. Amen. C'est tout. Tu es là, tu dors. Réveille-toi. Il est quoi? Quand... Oh, c'est là même, il y a sommeil. C'est tout. Seigneur, bon, j'attendais plus. Il est 6h. Il dit, Seigneur, merci, tu m'as gardé. Tu es bon, hein, Dieu. Amen.